L'université Aube Nouvelle vient de signer une convention avec le CNRST pour un partenariat scientifique. Les deux parties veulent mener des projets communs et elles ont jugé utile de se lier par un accord pour voir comment rendre ce partenariat plus rentable et fructueux. Il s'agit de rédiger des projets et de voir comment les financer et les mener à point. Ismaël Diloma Sirima. L'université Aube Nouvelle s'oriente désormais vers la recherche scientifique. À travers cette signature de convention, elle marque officiellement son union avec le Centre national de la recherche scientifique et technologique, CNRST. Ce partenariat vient booster l'école doctorale de l'université Aube Nouvelle dans les domaines des sciences technologiques, des sciences juridiques et des sciences économiques. La recherche devient une préoccupation pour nous. Et donc, depuis ce temps, nous cherchons, en tout cas, à avoir la participation du CNRST avec nous comme partenaire. Parlant de recherche, forcément, il faut penser au CNRST. Et donc, ce soir, c'est vraiment un jour béni pour nous, parce que nous avons senti leur disponibilité à nous accompagner. Cette jeune école de docteurs a besoin de l'appui des experts. L'accompagnement du Centre national de la recherche scientifique et technologique va se faire de plusieurs manières. Les chercheurs ont besoin d'encadrer des doctorats et des masters. Donc c'est l'occasion pour eux de contribuer au niveau de l'école doctorale de l'Université Aube Nouvelle à le faire. Mais également, ça nous permettra de nous mettre en consortium pour aller rédiger des projets européens, des projets africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets où on ne peut pas aller seul. Donc avec ce partenariat, c'est un atout supplémentaire pour nous de postuler à ces appels d'offres de projets. L'université Aube Nouvelle a créé son école doctorale depuis 2012. À ce jour, elle a déjà formé 18 docteurs.